Hey, 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 cucu mes petits queues, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Speed Build, un peu spécial, un peu mon grand kiff, puisque c'est un manoir que j'ai créé cette fois-ci. Alors, ceux qui ne connaissent pas, eh ben, je vous le dis, je suis en amour des grandes bâtisses telles que les manoirs, les châteaux. Voilà, dès que j'en vois même dans la vraie vie, je suis là, oh mon dieu, c'est trop beau, mon dieu, c'est trop beau, je veux l'acheter, je veux l'habiter là, oui, mais j'ai pas les moyens. En gros, je me fais plaisir seulement sur les Sims. Et voici une bâtisse, un manoir, donc faite exclusivement avec le jeu de base pour toutes les personnes qui n'ont que le jeu de base. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le jeu de base, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'éléments. Et j'en suis toujours très étonnée qu'il y ait si peu de choses, comme quoi au moins les packs nous apportent vraiment de la diversité et beaucoup de choses diverses et variées au niveau des meubles. Et puis ben, c'est grâce à Martial qui m'a donné cette idée, coucou Martial, des gros bisous, de me dire vas-y, peut-être pour un manoir en jeu de base, pourquoi pas. Alors je dis oui, banco, et le voilà. Donc, petite structure un peu complexe ou pas, je commence par l'extérieur et le choix des fenêtres. Je me suis mis des trois fenêtres, là, une espèce de beau window. Finalement, je trouvais ça sympa, sachant que je les ai jamais utilisées, il me semble, vraiment. Genre, ou alors une fois, mais depuis le temps que je joue, ça doit être vraiment une fois. Donc là, en plus, je trouvais que ça faisait très mignon, très sympa. Ça laissait rentrer vraiment la lumière. Et avec des toutes petites fenêtres pour le deuxième étage. Alors, il faudra savoir qu'il n'y a vraiment que le premier étage qui sera décoré, tout ça. Vous verrez que le deuxième étage, il y a quand même quelque chose de fait. Mais ce sera à vous d'imaginer le reste si vous voulez utiliser ce manoir pour tout simplement jouer avec. Alors j'ai tenté de faire un toit au-dessus des bow windows parce que j'avais réussi une fois en test et je n'ai pas réussi à le refaire là, donc je suis un peu dégoûtée. Et donc j'ai dit bon bah tant pis, je laisse béton et puis je continue. Alors au deuxième étage, il y aura une espèce de cour rectangulaire à l'extérieur, qui est plutôt pas mal. Et là, je commence à faire mes dispositions de pièces pour le rez-de-chaussée et je me rends bien vite compte que je me suis trompée de sens, que j'ai fait l'entrée à la sortie et la sortie à l'entrée. Donc, je rechange. Vous voyez que j'ai toutes mes arches dans tous les sens. Et je refais les couloirs, enfin du moins l'entrée plus avec les escaliers, avec le couloir principal et puis le couloir qui mènera à la sortie. L'escalier qui mène au deuxième étage. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, il n'y a plus qu'à découper les pièces, savoir qu'est-ce que je mets, où je mets. Alors, bon, je suis un peu allée, voilà, quoi, elles sont un peu biscornues, les pièces, mais donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, je me suis dit, mais oui, là, je commence à vouloir faire les pièces, mais j'ai pas fini l'extérieur. Il y a toute la peinture à faire, enfin, la peinture, le bardage, et tout ça, la toiture et tout le merdier. Donc, voilà, je me suis mis en quête de faire un espèce de bleu clair. Ouais, très mignon, un peu bord de mer en fait. Puis finalement, je crois que je l'ai changé parce que celui que j'avais mis, il faisait les coins en blanc, mais tous les coins n'étaient pas en bordure blanche. Vous voyez, ça s'ajoute automatiquement en fait. Donc en fait, j'ai pris le même sans les bordures blanches parce qu'en fait, comme ça se mettait pas là où je voulais, c'était pas joli. Après, j'ai rajouté quelques petites colonnes un peu partout. Bon, le seul bug, c'est que quand elles sont à la fondation, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'elles volent un peu en l'air. Mais bon, hein, on ne prêtera pas attention à cette chose, sachant que j'ai pas trouvé comment faire pour éliminer ce petit soucis. Alors, je commence à délimiter un peu le palier, en fait, et les futures pièces et chambres de l'étage. Alors, j'aime bien, j'ai un souci de symétrie aussi, moi, des fois. Donc, bon, là, c'est pas forcément symétrique 100% ni au rez-de-chaussée ni à l'étage, mais c'est un peu plus symétrique à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Voilà, ouais, vous verrez, là, on se fait plaisir, on met le parquet le plus cher, hein, ça, on y va. Et on va commencer à décorer tranquillement l'entrée. Alors, pour les couleurs, ça a vraiment été plus un... Oui, bah, je partais sur un élément et puis tiens, pourquoi pas une couleur. Voilà, je me suis dit, tiens, une pièce, une couleur. Là, pour le coup, c'est une espèce de bleu marine, en tout cas bleu. Bien sûr, il y aura une autre pièce en bleu. Enfin, du moins, j'ai pas fait tous les couleurs de l'arc-en-ciel non plus. Hein. Mais j'ai voulu varier un peu, que chaque pièce ait une couleur assez franche, assez définie. Alors, tout ce qui concerne la,
la décoration. Étant donné qu'évidemment on a moins de choix avec le jeu de base, je n'ai pas surdécoré les pièces. J'ai vraiment mis un minimum, on va dire, et il y a largement de quoi faire pour en rajouter s'il faut. Sachant que le manoir en tout vaut 500 000 simflouz. Un demi-million, je crois, c'est peut-être ma création la plus chère. Hein. Je pense. Je pense que c'est ma création la plus chère et c'est pas pour l'instant, en tout cas, j'ai aussi une autre construction en préparation qui, à mon avis, va valoir pas mal aussi. Donc, je sais pas du tout, j'ai même pas regardé, mais en tout cas, ce petit manoir-là, 500 000. Ah oui, je me suis fait un petit kiff, je me suis dit, tiens, je suis dans le mode de Show Hidden Objects, donc les objets cachés, et en mode debug. Je me suis dit, tiens, je vais faire des petits kiffs, et j'ai mis des poissons empaillés dans la cuisine. Ça fait un peu rétro, vintage, tout ça, puisque manoir, et quand on dit manoir, on dit parquet qui craque, on dit vieille toile qui vaut cher, on dit prestige, on dit moulure, on dit, voilà. On dit des trucs qui valent des sous et aussi des trucs vieux. Et donc les trucs vieux, c'est empaillé et c'est les poissons. Voilà. Alors la cuisine est très très grande. Et ouais, j'ai mis une table, mais la table, c'est pas là qu'on va s'asseoir pour manger. Non, non, c'est juste histoire d'habiller le centre en fait. J'ai pas voulu faire un îlot non plus. Et j'ai préféré, voilà, qu'on ait vraiment une salle à manger pour manger. La cuisine est vraiment immense. Il y a des plans de travail de partout, il y a deux éviers, il y a deux frigos, il y a deux gazinières. Comme ça, les Sims, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils peuvent être 15 à faire à manger en même temps. Ou pas. Là, on attaque la salle à manger avec donc, j'ai mis deux tables pour doubler le nombre de personnes, sachant qu'avec un manoir de cette taille-là, il peut y avoir du monde. Bon, 8 Sims maximum, hein, mais je crois qu'en tout, du coup, j'ai 8 chambres. Il y a 8 chambres et... 4, non, 6 salles d'eau. En tout cas, salles d'eau. Enfin, je compte toilettes incluses. C'est-à-dire que j'ai fait des salles d'eau que toilettes et salles d'eau avec douche ou baignoire. Mais en tout, il y a quand même 8 chambres et 6 salles d'eau. Il y a de quoi faire quand même, hein, sachant que ça ne prend qu'une toute petite partie de la map, hein, du terrain qui fait 50-40. Et le manoir fait quand même une toute petite partie de ce terrain. Donc, si j'avais pris un terrain. Si j'avais fait un manoir qui faisait toute la taille du terrain, je vous raconte pas le nombre de chambres que j'aurais pu faire. Ceci dit, c'est une idée à creuser. Jusqu'où peut-on aller? Faire 20 chambres? Oh la vache! Ah, mais je serais capable, hein, sachant que j'ai pris les items les plus chers à chaque fois, je pense. Hein. Que ce soit au niveau table, au niveau chaise, au niveau fauteuil, au niveau console, au niveau bah, rideau, c'était plus ou moins avec les couleurs. Hein, parce que les rideaux de base sont pas terribles, ils sont assez affreux. Mais j'ai aussi pris toutes les petites tables de nuit, par exemple, ou les petits guéridons, j'ai pris les plus chers, les fauteuils les plus chers. C'est aussi pour ça que j'ai atteint une somme de 500 000 simflouz. Vous voyez le petit guéridon là, à côté des fauteuils, c'est fait partie des plus chers. Et il y en a que dans quasiment toutes les pièces. Je ne sais plus combien il est, hein. J'ai pas regardé la dépense. Hein. Enfin, bah non, on est des riches hein, dans ces Sims, dans les Sims. Hein. Pour avoir acheté un manoir comme ça, faut avoir la thunasse. Hein. Ça. Peut-être que le Decade Challenge, ils vont finir dans un... ils vont pouvoir acheter ce manoir-là. Le manoir, je l'ai appelé manoir feuillu. Vous allez comprendre pourquoi, surtout à la fin. Pourquoi il est feuillu. En même temps, j'avais pas trop d'imagination. Donc je me suis dit, je sais que le manoir, bah, il va être entouré d'arbres. Donc je me suis dit, comment je pourrais l'appeler? Le manoir feuillu. Ben oui, bien sûr. Pourquoi pas donc? Donc là, on passe au salon. Bon, bah, salon, pas. J'ai vraiment. Je pense que j'étais très light pour le salon. Franchement, là, les canapés, ça fait les canapés des plus chers quand même. Les tapis, les plus grands, il est plus cher. J'ai un peu galéré avec le tapis, sachant que je préfère les tapis ronds, mais j'ai pas envie de mettre toujours les mêmes tapis ronds. C'est-à-dire que j'utilise celui qui est un peu de certaines couleurs avec des courbes à l'intérieur, là, qui est super joli, et le rond tout court. Et après, il y a le rond de l'accessoire vintage, mais là, forcément, c'est pas le jeu de base, donc je pouvais pas l'utiliser. Donc, j'ai un peu galéré à trouver des tapis qui me plaisaient. Dans les couleurs qui me plaisaient. Donc, vous voyez, j'étais partie sur un salon un peu beige, et puis au final, il sera un peu bleu clair. Ouais, et puis là, j'ai retrouvé des items à mettre dans la cuisine, le pot avec les cuillères en bois et compagnie. On va commencer à décorer les toiles. Alors, vu que c'est une tendance un peu bleue. Alors, il y a des toiles que vous allez retrouver un peu partout dans toutes les pièces, hein, c'est logique en même temps. On n'a pas 15 000 choix, et il y a certains tableaux que je trouve pas beaux, donc je veux pas les mettre. Et on peut jouer avec les cadres aussi, donc ça peut être sympa. Ah, alors cette salle-là, j'ai voulu faire une salle de musique, salle des arts en fait. Donc forcément, j'ai mis un piano.
petite dédicace à Albert du Decades. Le piano un peu dans le renfoncement de la pièce. Et à côté, j'ai mis guitare, violon. Alors oui, je vais galérer avec le tapis. Comment trouver le bon tapis, sachant que là, j'ai voulu faire une pièce dans les coloris verts. Mais pas vert criard, vert pourri, un vert un peu sombre, un peu entre sombre et pastel. C'est ce tapis-là que j'aime bien et que je pourrais mettre à toutes les sauces, mais bon, c'est chiant de mettre toujours les mêmes. Entre... C'est les deux, exactement les deux tapis que je pourrais mettre partout. Si je pouvais. Donc cette salle de musique, pour là vous voyez, j'ai mis la guitare en fait de la faucheuse. Je voulais une guitare électrique vu qu'on a qu'une guitare acoustique dans le jeu, que j'ai retirée en fait pour mettre dans la galerie puisque je voulais que ce soit essentiellement jeu de base. Et forcément, il faut avoir souscrit à la newsletter de EA pour avoir la guitare de la faucheuse. Donc moi je l'ai fait. Elle est gratuite, hein, c'est gratuit. Il suffit d'aller voir sur leur site ou je sais pas trop comment on fait. Je crois que c'est juste ça, il faut s'inscrire pour la newsletter et on a la guitare dans le jeu. Donc ceux que ça intéresse, eh ben, renseignez-vous. J'essaierai de mettre en lien en description le lien de la chose quoi, pour la guitare. De toute façon, sur le site d'origine, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors là, je vais mettre toilette, douche et toilette. Sachant qu'il y a deux salles de bain à l'étage, je ne vais pas vous les montrer. Je ne les ai pas enregistrées puisque c'est pas essentiel. C'est pas vraiment une grande pièce. Elle n'est pas hyper importante. Je préfère vous montrer les pièces où il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Alors que la salle de bain, vous les verrez à la suite, à la visite virtuelle. Mais là, je trouvais que c'était pas utile que vous me voyez en train de construire, de décorer la pièce, quoi. Donc on arrive à l'étage, on commence par le palier. Alors là, j'avais trouvé une super belle porte, mais en fait, elle faisait deux panneaux, et pour entrer dans certaines pièces, vous voyez que j'avais qu'un seul panneau de large. Donc ça m'a pris la tête, hein, je suis devenue tout rouge, je me suis fâchée, j'ai arraché mes cheveux, puis je les ai recollés, et je me suis dit, bon, bah tant pis, on va passer sur une porte un peu plus petite, un peu moins classe. Ça m'a beaucoup pris, hein, j'ai dû prendre sur moi, hein, donc j'espère que ça ira et que ça vous plaira quand même. J'ai pris des beaux petits tapis et je les ai agrandis. Ah, j'ai oublié les rideaux. Les rideaux dans la salle d'art. Donc le tapis donc sur le ah, j'ai oublié mon sens sur le truc là, le palier. Bah voilà, hein. J'ai mis cette couleur là, je les ai agrandis et puis basta. On passe par la première chambre qui est donc une chambre double. Et alors vous allez me voir galérer. J'ai voulu en fait créer comme un lit à baldaquin. 100 mètres de lit à baldaquin, puisqu'on n'en a pas dans le jeu de base. Donc j'ai commencé à galérer, à créer, je dis ouais voilà, je peux mettre ça et tout. Ouais, alors les poteaux, les poutres, on peut pas les réduire, on peut pas les mettre là. Alors j'ai commencé à rentrer dans le mode debug et j'ai essayé de trouver ce qui pouvait faire office de poteau, parce que là, les rideaux qui volent, ça n'allait pas. Alors j'ai trouvé une allumette que j'ai grossie, que j'ai montée et que j'ai galéré à rentrer dans le rideau. J'aurais pu cut, hein, mais je trouve ça rigolo que vous me voyez galérer quand même. Voilà, comme quoi la construction, c'est pas comme ça. Et après j'ai mis genre les planches et tout pour faire corrélation, tout ça, genre ouais, en fait, voilà, ça fait baldaquin. Mais bon, ça faisait vraiment rapiécé et tout. J'aimais pas trop. Et puis je suis tombée après sur un rideau qui était beaucoup plus sympa que celui que j'avais utilisé, dans les mêmes couleurs. Voilà, et je me dis, mais attends, fais voir. Ah ouais, non, mais il est beaucoup mieux finalement. Et attends, ouais, et puis en plus je peux le doubler, tout ça, machin. Et en fait, là, j'avais ça pour rien parce que j'ai changé le rideau. Vous voyez, là, je suis en train de le mettre et tout. Tac, tac, tac. Ah, vous inquiétez pas, hein, les Sims sont accès au lit, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, c'est comme s'il comptait pas le rideau, en fait. Même si vous mettez un rideau sur une porte, le Sims va passer à travers la porte et il n'y a aucun souci. C'est juste une décoration pour nous, mais ça ne gêne pas les Sims. Donc ce lit très très haut, baldaquin, avec beaucoup de draps. Si les poteaux ils tiennent pas, vous recevez tout sur la tronche. Et il fonctionne. Et puis alors, j'ai mis des petits meubles de cuisine, du coup, les meubles de cuisine haut, pour faire un espèce d'encadrement, de rangement dans la chambre. Alors, faut pas s'attendre à des dressings, j'en ai pas fait. J'ai mis des commodes un peu dans chaque pièce, dans chaque chambre, qui fera office de dressing, en fait, de faux dressing dans la commode. Alors, vous verrez les toilettes, hein, et après, vous verrez pas les salles de bain. On passe à la deuxième chambre double. Oui, vous verrez, il y aura pas de dressing, parce que, voilà, je me suis dit, non, on va plus s'axer sur les chambres, c'est plus confort d'avoir plein de chambres, ça, vous pouvez inviter plein de Sims, vous pouvez faire vivre une famille entière dedans, des générations. Et cette chambre-là, coloris rouge,
en master couleur quoi. Alors c'est très rococo, alors c'est pour ça que les photos je les ai quand même rééclaircies, je vais y arriver, en plus clair, en beige. Pareil pour le tapis au sol, parce que sinon ça aurait fait trop quoi, rouge sur rouge, c'était pas possible. Alors que là, ça donne, on respire un peu d'avoir un peu de beige. Ça va. Ça fait, c'est mieux quand même avec les toiles aussi qui sont donner un peu de d'aération visuelle. Parce que sinon, c'était pas possible. J'aime pas forcément le rouge, mais dans cette chambre-là, je trouve que ça se confond très bien. Ensuite, une chambre de bambin. Eh ben oui, qui dit maison familiale dit bambin, hein, ces saloperies là. Hein. Ah, ils sont mignons, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Oh, vous pouvez pas me dire le contraire, hein. On était contents quand ils sont arrivés, et 5 minutes après, on disait, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah ouais. Mais bon, c'est mignon, il y a beaucoup d'accessoires quand même pour eux. Donc on en profite et on argumente les chambres. Oui, moi j'argumente les chambres, je ne les meuble pas, je les argumente. C'est comme ça. Et alors, la coloris jaune. Et là, j'ai fait une chambre avec un seul lit. Alors, j'ai hésité à faire des lits simples, deux lits simples, des fois par chambre. Je me suis dit, en même temps, quand tu vis dans un manoir aussi grand avec autant de chambres, tu veux ta chambre pour toi tout seul. Si tu dois le partager avec ton frère ou ta soeur, tu fais la gueule, quoi. Alors, pour ce coloris de chambre, j'étais un peu partie. À la base, je voulais partir sur le coloris vert du lit, et en fait, j'ai très vite vu que ça n'allait pas aller, en fait, que j'aurais pas assez de mobilier de cette couleur-là, d'associer un vert. En fait, c'était un vert assez sombre, kaki, et il n'y avait pas. Et finalement, il y avait ce lit-là avec des gros quarts un peu dorés. Je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, je vais faire une chambre noire dorée. Alors, ça fait plus noir-jaune que noir-doré, mais il y a le tapis et les fauteuils qui sont jaunes un peu pétants, donc ça aide un peu à. Avec le pétant, quoi, avec le doré. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais j'ai fait jaune et jaune. Moi qui voulais une chambre, une pièce de chaque couleur à chaque fois, j'ai fait jaune et jaune, donc ça va pas, quoi. Bah oui, mais jaune, c'est pour les enfants, ça fait ni garçon ni fille, ça fait mixte, quoi. Vert et jaune, c'est quand même mixte. Alors du coup, bah, j'ai fait une deuxième chambre pour bébé et bambin, verte, comme ça, c'est mixte aussi. Alors, deux petits couffins, comme ça, si vous avez des jumeaux, et eh ben c'est bien. Avec un petit lit de bambin quand même dans un coin, le petit lama et tout le bordel, et puis du coup les joujoux en verre. Et contre tous. Haha. Tiens, c'est la seule fois où j'aurais mis un autre lampadaire, j'ai mis le truc nuage dans cette chambre-là, on va dire que c'est pour les bébés. Hein. Sinon, dans quasiment toutes les pièces, c'est le même lustre ou une lampe avec un abat-jour rond que je mets genre dans le couloir et tout ça. J'ai quasiment mis toujours le même lustre en fait que vous voyez là au premier plan. Alors, troisième chambre avec lit double. Je me suis fait un petit kiff encore, j'ai fait le coloris violet. Alors, je l'ai fait déjà dans la salle à manger. J'ai bien kiffé, je dis bah attends, non, mais c'est bon, on va refaire une chambre. C'est pas le même étage, donc je peux me permettre de refaire une couleur. Puis alors, j'ai enfin utilisé ces toiles-là, même si je les aime pas. C'est les seules toiles qui a ces couleurs-là. Donc voilà, on va dire que c'est un peu la salle, enfin la chambre de quelqu'un qui aime la musique, de mélomane. Hein. Bon, après, j'étais pas très contente, ouais. J'ai dû faire les rideaux roses parce que le violet, enfin le rose fuchsia était trop fuchsia par rapport au violet que je voulais faire de la chambre. Donc voilà, je trouve que finalement ça passe. Après, on passe à les deux chambres, comme vous voyez, elles sont jumelles, avec surtout la salle de bain commune, donc un toilette de chaque côté et une baignoire au milieu. Ça veut dire que normalement, un Sims peut aller se baigner dans sa baignoire et l'autre aller aux toilettes, il ne devrait pas se gêner. Et c'est des chambres en fait qui auront les mêmes meubles, c'est juste pas la même couleur, en miroir. Voilà, je me suis pas cassé la tête, c'était comment cette dernière chambre, j'en avais un peu marre, j'ai dit faut que je finisse ce speed build, hein. Faut que je finisse. Oh, pour tout vous dire, j'ai commencé à construire, on est dimanche là, vous le voyez dimanche 16h, j'ai commencé vendredi. Hein. J'ai construit tout ça vendredi et samedi. Donc voilà, c'est du taf quand même. Hein. Qu'est-ce que je dois pas faire pour ma chaîne? D'ailleurs, tant que vous êtes là et que vous me regardez, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Utip dans la description et vous regarderez quelques pubs. Il y en a, ça dépend, ça peut être une, deux ou quatre pubs par jour pour me donner un peu de sous sans que ça vous coûte un seul centime à vous. Chaque pub regardée me rapporte 5 centimes et ça m'aidera pour acheter des packs, les futurs packs Sims qui sortiront.
et peut-être refaire un petit concours si on passe aux 2000 abonnés. Bon, il y a encore le temps, hein, mais moi j'y pense, parce qu'on m'a déjà réclamé un concours. Alors j'ai dit, bah oui, mais je vais pas en faire tous les mois hein, quand même. Je dépense 10 balles, c'est pour vous faire plaisir à vous, mais je peux pas offrir 10 balles à tout le monde. Hein. J'ai déjà 1000 abonnés, je peux pas offrir 10 balles à 10 000 abonnés. Là, c'est pas possible, j'ai pas mis 10 000 euros moi. Enfin bref, donc n'hésitez pas à passer sur mon YouTube. Et puis ce sera adorable. Alors, au deuxième étage, j'ai donc créé une bibliothèque, comme vous avez vu. Et là, je crée un bureau. Donc, comme je vous avais dit au début, je n'ai pas tout meublé. Pour ce deuxième étage, il va rester toute une grande salle. La salle vraiment toute rectangle qui reste, qui n'est pas avec le palier. Elle est complètement libre. Donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un majordome, eh ben, vous lui faites une chambre. Vous pouvez faire un atelier avec des bénistes, de jardinage, j'en sais rien. Moi, vous faites ce que vous voulez dans cet étage-là si vous téléchargez le manoir. Voilà, j'ai même fait un genre de débarras dans une pièce, histoire que vous puissiez imaginer ce que vous en faites, quoi. Donc, à l'étage, il y a juste une bibliothèque, un bureau et aussi une petite salle de sport. Voilà. On va passer maintenant enfin à l'extérieur. La terrasse, la petite terrasse à l'entrée et la terrasse à l'extérieur, au dos, pardon, celle à l'arrondi, là, c'est derrière, en fait. Donc, j'ai mis un petit espace pour manger dehors, un petit barbecue. Les petites lampouses pour qu'on n'ait pas peur dans le noir. Les nouvelles plantes qui sont des orangers qu'on a eu avec la mise à jour gratuite qui a eu lieu, si je dis pas de conneries, mardi de cette semaine. Et là, donc, petite clôture extérieure. Et là, j'ai fait un petit passage que j'ai quand même du mal à faire, mais que j'arrive à faire. Petit passage avec donc des pierres pour faire le passage. Puisque, oui, voilà pourquoi le manoir est feuillu, c'est parce qu'il y a plein d'arbres, tout partout. Alors, je me suis éclatée, hein. Là, j'ai même pas regardé la dépense. Alors, je sais même pas où je l'ai placé. C'est comme si j'avais pris une tonne d'arbres et puis une tonne de graines et puis pff, voilà. J'ai quand même mis des fleurs autour, histoire de border un peu l'allée, et j'ai mis un peu des marguerites, des merdes partout, un petit peu comme ça, des petites fleurs, là 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 là, et la peinture de terrain, pshht, hop, une petite fontaine cachée dans les au milieu des arbres, c'est pour ça que le manoir s'appelle Feuillu. Et après, je vais vous laisser avec la visite guidée, du moins virtuelle, et je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur YouTube grâce à ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao.